Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Robert Lewandowski au Barça. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous, nous les gars on est parti pour parler de l'arrivée de Robert Lewandowski à Barcelone. Selon le président du FC Barcelone, Juan Laporta, le Barça a des chances de recruter l'attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, cet été. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2023, Robert Lewandowski pourrait changer d'air dès la saison prochaine. D'après la presse espagnole, le FC Barcelone fait notamment des avances au buteur polonais, un dossier complexe qui demanderait aux Catalans de sortir entre 30 et 50 millions d'euros au prochain mercato estival 2022. Pour autant, le Barça ne s'avoue pas convaincu et Juan Laporta estime même qu'il y a plus de chances de venir. Interrogé hier soir dans les tribunes du stade d'Aoneta, où le Barça est venu s'imposer 1-0 contre la Real Sociedad, avec notamment un but de Pierre-Emerick Aubameyang en début de match, le président du club a lâché cette petite phrase à un supporter, de quoi relancer une fois de plus la piste Robert Lewandowski au Barça. À l'approche de la fin de la saison et du mercato estival à venir, Robert Lewandowski au Barça, ça chauffe de plus en plus. Le FC Barcelone avancerait ses pions pour essayer de recruter l'attaquant polonais du Bayern Munich dès cet été lors du prochain mercato estival 2022. Robert Lewandowski à Barcelone, ça chauffe de plus en plus. Voici pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que selon toi, l'arrivée de Robert Lewandowski à Barcelone est réellement une bonne idée pour le Barça? En tout cas les gars, n'hésitez surtout pas à liker et de vous abonner avec la cloche des notifications. Ça reste, c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous les gars, j'en vous dis à la prochaine et salut.